ਜੇ ਮਾਪੋ ਕਰਿਆ ਸੋ ਕੰਮ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੇ ਤਾਰ ਕੇ ਜਾ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਲੜਕਾ ਨਾ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਸੁਭੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਧੰਮ ਤੋਂ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲਿਖੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Je m'appelle Vikram Jit Singh, j'ai 31 ans. Je suis secrétaire général de l'association Miripiri Gadkarakara. Le sikhisme, c'est avant tout une voie spirituelle. C'est pas une religion en soi, c'est des principes de vie avec soi-même et avec les autres. Le sikhisme est né avec la naissance de son fondateur Guru Nanak Dev Ji, qui est né vers la fin du 15e siècle dans la région du Punjab. Il y a entre 25 et 30 millions de sikhs dans le monde. Le sikhisme est la quatrième religion mondiale monothéiste. En France, effectivement, on est peu connu, mais les sikhs sont très bien connus et intégrés dans le reste du monde, et notamment dans le Commonwealth, logiquement, parce que l'Inde a été occupée par les Anglais. Donc aujourd'hui, vous êtes au Gurdwara, qui est le lieu de culte des sikhs. Donc on est à Bobigny, qui est le plus grand et le plus ancien temple sikh en France. Vous voyez, les gens touchent le sol avant de rentrer dans le Gurdwara. C'est un symbole d'humilité. En fait, on met la poussière qui est au sol sur le front pour rabaisser son ego et pour faire preuve d'humilité. Toute personne qui rentre dans un temple sikh, en général, fait ce geste-là. Dans son histoire, à un moment, il a fallu se défendre. Donc, dans l'histoire du sikhisme, on a 10 prophètes. Durant leur histoire, vous aviez les 5 premiers qui étaient totalement pacifiques. Et par contre, le 5e a été assassiné par l'occupant. Il faut savoir que l'Inde a été occupée pendant une grande partie de son histoire. Cet occupant était hostile et donc convertissait de force la population à l'islam. Et donc le 6e a décidé de prendre les armes pour se défendre. Il a créé l'art martial sikh, qui est le Gatka, qui est une simplification du Shastravidya, qui est un art martial qui est très ancien en Inde, mais qui est plus ciblé, parce que le Shastravidya est aussi très violent. Le Gatka, lui, il n'est pas violent, il n'est pas là pour attaquer, il est là pour se défendre. En Inde, personne n'était en capacité de se défendre. Et c'est pour ça que les sikhs, ont décidé de constituer une armée, et pour constituer cette armée, il a fallu aussi développer un art martial. Là, on est dans l'entrée, au rez-de-chaussée, avec une partie pour enlever ses chaussures. Au premier étage, vous avez le réfectoire, une cantine qui est gratuite et ouverte à tous. Au deuxième niveau du bâtiment, vous avez la grande salle de prière où trône notre guide, qui est le Guru Granth Sahib, qui se matérialise sous forme d'un recueil de tous les textes saints du sikhisme. Donc c'est un lieu de culte qui est ouvert à tous, c'est un lieu public, et pour les gens qui ne sont pas sikhs, qui ne portent pas le turban, vous avez des bandanas qui sont à disposition pour pouvoir accéder au niveau supérieur. Le but du Gurdwara en soi déjà, c'est d'avoir une activité physique et de pouvoir, comme j'ai expliqué, de pouvoir se défendre. Le sikh, il doit être sain et soldat à la fois. La spiritualité est très importante, donc il y a beaucoup, une grande partie de méditation. Mais si on n'est pas capable de se défendre, ça sert à rien en fait. On a intégré du coup cette dimension soldat au sikh. Et donc l'objectif du Gatka, c'est de permettre à tout le monde d'avoir une condition physique qui lui permette de se défendre ou défendre ceux qui en ont besoin. Il n'y a pas de grade particulier, les maîtres sont là pour donner un enseignement et pas pour en tirer quelques gloires ou statues. Moi, je suis très attaché au Gatka parce que ça m'a permis, dans ma voie spirituelle, dans mon chemin spirituel, d'avancer. J'ai jamais été un très grand lecteur, et quand vous avez des textes, c'est compliqué.
le sikhisme et les textes saints sont très compliqués à lire. Et le Gatka m'a permis de côtoyer finalement des gens qui avaient plus de connaissances et avec qui j'ai réussi à avancer petit à petit dans ma voie spirituelle et dans ma connaissance des textes. On s'est entraîné ici avant de passer au festival de Bercy. Dans la culture indienne, sur les enjeux religieux. Le bon âge pour commencer le Gatka, c'est, je dirais, 5 ans. 5 ans, on commence à avoir une attention assez concentrée pour pouvoir suivre les instructions. Dans le Gatka, vous avez des katas qu'on appelle, si vous voulez, des pentras, qui sont des mouvements codifiés particuliers. Vous avez un premier, c'est un mouvement avec les pieds, vous avez 4 points. On commence l'initiation du Gatka par ces mouvements de pentras des 4 points pour les pieds qui nous permettent d'avoir la stabilité et l'équilibre nécessaire quand on évolue plus tard avec des armes, avec la vitesse dont on a besoin. Donc il faut que ce soit un réflexe pour le corps, pour les muscles. On ne doit pas réfléchir où on doit mettre le pied, dans quel sens il faut que je me... Il faut que ça devienne un réflexe physique pour se concentrer uniquement sur son adversaire. Donc évidemment, qui dit art martial dit combat. Vous avez des combats de toutes sortes, évidemment des combats au sabre, mais aussi avec toute la pléthore d'armes qu'on a. Donc on a des armes blanches de différentes tailles, de différentes sortes, mais on a aussi des bâtons. Dans le Gatka, on utilise surtout la canne, qui est très flexible, qui ne se casse pas. Après, vous avez d'autres types d'armes. Vous avez évidemment l'arc, vous avez un filet qui s'appelle un chakal, qui nous permet aussi de se protéger des projectiles type flèche, et qui me permet aussi le désencerclement. Toutes les techniques aussi du Gatka servent au désencerclement. Pourquoi ? Parce qu'on était toujours en infériorité numérique sur le champ de bataille. Sikh, ça veut dire disciple, étudiant. On considère que, en fait, l'ensemble de l'humanité est sikh. Pourquoi ? Parce qu'une personne, un être humain qui naît de sa naissance jusqu'à la mort, il apprend. Donc, il est forcément un élève. Il est sikh. Ça, ça résume la philosophie sikh. Une personne sikh ne se dira jamais maître. Elle se considérera toujours comme élève devant Dieu, devant le gourou, devant le prophète, et donc gardera cette humilité et cette ouverture sur le monde.